Good morning, allez, den les tous aujourd'hui le Lunishmat Dov, Ben Yudit et Vetaram, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Myriam et Yitzhak Perez Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi les une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechat Shabbat, Perektet, Mishnah Gimel, Minain, Lepoletet, Shechvat Zera, Bayom, Ashlishin, Shehit et Mea, Shenemar, Heyu Nechonim, Lishloshat Yamim. Minain, Shemar Chitzin, Atamila, Bayom, Ashlishin, Shechal Liot, Beshabbat. שנאמר, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. מניין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. On continue dans notre Mishnah à découvrir toutes sortes de halakhot, déduites de psukim, de... Finalement, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire la Torah qui racontait des histoires, ou qui racontait... Torah ou prophète qui racontait des histoires, mais de la manière de s'exprimer, on déduit des halakhot. D'accord? Et là, on va découvrir un premier sujet en rapport avec notre préparation à Shavuot, Ragmatan Torah, avec Minayin et Poletet Shichvat Zera. D'où je sais qu'une femme qui rejette de la semence qui était en elle, dans ses entrailles, parce qu'elle a eu un rapport à elle aussi, donc Shichvat Zera, c'est celle de l'homme, elle est Poletet, elle le. Ma flita, c'est qu'elle le rejette, elle le ressort. Bayom Ashlishi, que si elle le ressort même le troisième jour, Shehit Mea, qu'elle sera malgré tout impure. C'est-à-dire, on explique. On parle ici de la Tumat Keri. Tumat Keri, c'est lorsque l'homme, il fait sortir de son corps du zera, d'accord, de la semence, eh bien, il devient lui-même impur. C'est la Tumat Keri. Maintenant, chez la femme, s'il a eu un rapport, la femme, lorsque ça va ressortir de chez elle, eh bien, elle devient aussi impure. Maintenant, chez la femme, ça peut durer, on remarque dans la Gemara, ils en parlent, ça peut durer même pendant plusieurs jours que ça reste chez elle et finalement qu'elle va le ressortir. La Mishnah m'enseigne, tu sais, premier jour, deuxième jour, troisième jour, si elle le ressort, c'est encore impur. Après trois jours, ça a dégénéré, ce n'est plus fécondable du tout. Donc si c'est plus fécondable, ça n'a plus un statut de Shirvat Zera. Dans la Torah, ça s'appelle Shirvat Zera. Littéralement, la couche qui, comment dire, qui fait germer, qui, d'accord, Zera, l'Isroi, c'est semer. Donc, concrètement, c'est-à-dire, ce liquide-là ne rend impur que lorsqu'il contient les éléments capables de féconder. Après trois jours, alors ça a dégénéré et ça ne peut plus féconder. Donc du coup, si pendant les trois jours, ça lui ressort, elle sera impure. Après trois jours, si ça lui ressort, elle sera plus impure. Même mieux que ça. Si après un jour, c'est pas encore ressorti, elle est partie se tremper au mikvé, mais ça lui ressort après, dès qu'elle ressort du mikvé, ça lui ressort, elle deviendra impure, parce qu'en ce moment, c'est en train de ressortir de son corps. D'où je déduis ça? Je déduis ça du Matan Torah, du don de la Torah. La Torah, elle a insisté chez Neymar, comme la Torah nous dit, « Heyu nechonim leshloshet yamim, soyez prêts pendant trois jours, ou au troisième jour, comme ce qu'on va voir tout de suite. » En l'occurrence, aujourd'hui, c'est notre date. On est trois jours avant Matan Torah, c'est-à-dire même si Shavuot va sortir, on est le 4, donc le 6 Nissan Nosar. Entre parenthèses, dans la Gemara, c'est ici où ça parle longuement. Il y a 4 d'Abim de Gemara où ça parle du Matan Torah. À savoir à quelle date c'était. Est-ce que c'était le 6 Nissan, 6 Sivan ou 7 Sivan? C'est toute une histoire, c'est très intéressant. Là n'est pas notre propos. Pour le moment, je me concentre sur notre sujet. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut préparer le peuple au Arsinaï, au Mama d'Arsinaï, pour que je me dévoile et que je leur donne la Torah, alors il faut que le peuple soit prêt, qu'il se sanctifie. Vekidashtam, Hayom ou Machar. Il faudra qu'il se sanctifie un jour et deux jours et le lendemain, et la Torah sera donnée le troisième jour. Comme ça c'était prévu, Moshe Rabbeinu, il est parti voir les Bnei Israël et leur a dit, soyez prêts, préparez-vous pendant trois jours. Donc apparemment, Moshe Rabbeinu, il aurait rajouté de lui-même un jour supplémentaire, et du coup la Torah elle était donnée au 7 Sivan et pas au 6 Sivan. C'est toute une histoire, ça parle longuement, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Et voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fallu, entre autres, à part la préparation, il y avait aussi une préparation très importante, c'était la pureté du Ham Israël, qui n'est pas d'impureté nocturne. De pollution nocturne, il fallait nécessairement se tremper au mikvé, et donc ne plus avoir de rapport, ne pas approcher de femmes, pour que les femmes aussi puissent être pures. Parce que l'homme, c'est facile, même s'il a un rapport aujourd'hui, demain, il sera en premier mikvé, il sera plus ou moins pur déjà dès demain matin. Il faudra pour certaines halakhot, il faudra attendre le coucher du soleil, mais après, le jour d'après, il sera déjà pur, certainement. Mais la femme, ça reste chez elle.
Donc ensuite, elle doit attendre 3 jours pour qu'elle puisse se purifier. Donc du coup, Hachem l'a dit, eh ben, il n'y a pas de contact entre les hommes et les femmes pendant 3 jours. Ou 2 jours, justement, comme on va voir tout de suite. Il y a en réalité une discussion dans la Gemara. Combien de temps la semence reste vivante et fécondable? Est-ce que c'est 2 jours ou 3 jours? Et ça change la signification du pasouk. Le Lomantanora, il explique justement les deux éventualités. Soit la Mishnah, elle va nous dire, non, c'est pas Bayom, c'est qu'il faut que la Torah, quand on a dit, Yonichonim le Shloshet Yamim, soyez prêts pendant 3 jours, ou bien soyez prêts pendant 3 jours, c'est-à-dire au 3e jour. Comme ça devrait être interprété. Les deux propositions sont dans Rashi. Ou bien, dans ce cas-là, il faudra dire que Shir Vazera Bayom Shilishi Shehit Mea ou Shehit Teora. Peu importe. Le principe, vous avez compris. Donc, c'est déduit Heyon Echonim le Shloshet Yamim, soyez prêts au 3e jour, parce que vous allez recevoir la Torah au 3e jour. Deuxième sujet maintenant, Minen Shemarchitzin et Amila Bayom Ashlishi Shechal Liyot Beshabbat. D'où je sais qu'il faut laver à l'eau chaude et même faire chauffer de l'eau chaude pendant Shabbat, si toutefois c'est nécessaire, pour un enfant ou quelqu'un qui a fait le Brit Mila au 3e jour. C'est-à-dire, s'il fait le Brit Mila même un jeudi, eh bien, on arrive à Shabbat, il n'a pas d'eau chaude, d'où je sais qu'il faudra même faire bouillir de l'eau pendant Shabbat, faire chauffer de l'eau pendant Shabbat, pour le laver à l'eau chaude, l'endroit de la Mila, parce que, justement, il y a une très grande faiblesse le 3e jour, le partenaire précise 3e jour, ou 2e jour, et même 1er jour, à plus forte raison, c'est discuté, il y a un nom de Sadium Tov qui parle de ça. Est-ce que c'est juste le 3e jour, c'est pendant 3 jours? Mais en tout cas, la Mishnah vient m'enseigner, tu sais, je vais te prouver maintenant, d'une anecdote de la Torah, où l'homme qui fait le Brit Mila, il est faible pendant 3 jours, ou jusqu'au 3e jour. En l'occurrence, et donc de ce fait, puisqu'il est faible, il faudra lui faire un bain chaud pour lui réchauffer le corps et le renforcer. Et la Mishnah déduit ça chez Neymar, comme nous dit le Pasouk, Vayhi Bayom Ashlishi Biyotam Koavim. Et ce fut le 3e jour lorsqu'ils étaient, ils avaient une grande douleur, ils avaient très mal. On parle là-bas de Shrem, histoire avec Shimon et Lévi, que les Shrem, Ben Hamor et la ville de Shrem, ils avaient kidnappé Dina, la fille d'Yaakov, ils l'avaient violée. Shrem ben Hamor, le fils du prince, et du coup, les frères, ils ont fait une ruse à Shrem, en leur disant si toutefois ils veulent se marier avec elle, ils doivent tous se circoncire, ils se sont circoncis, et puis lorsqu'ils étaient au 3e jour faibles, ils sont partis, ils ont tué toute la ville, et ils ont récupéré Dina. D'accord? Pourquoi ils ont attendu le 3e jour? Je déduis de là que le 3e jour, c'est un jour très faible. La question de savoir, est-ce que c'est le 1er jour et le 2e jour aussi, c'est un jour où on est très faible, c'est-à-dire où le risque d'infection, il a faible le corps. Malgré tout, ils ont entendu le 3e jour, le Tosafot peut expliquer, parce qu'en réalité, c'est sûr que la douleur, elle est peut-être plus forte. Mais le 1er jour, on a quand même beaucoup de force à l'intérieur de soi. Mais quand ça commence à perdurer pendant 3 jours, et qu'on a, même si la douleur, elle est encore, disons que la douleur est plus ou moins stagnante, mais qu'on n'a plus, le cumul de force qu'on avait depuis le début, donc on est encore plus faible. D'accord? Donc c'est déduit de là-bas, Vayi Bayom Ashlishi Biyotam Koavim, ce fut le 3e jour lorsqu'ils avaient mal. Troisième sujet, Minen Shekoshrin Lashon Shel Zehorit. D'où je sais qu'on va attacher Lashon Shel Zehorit, littéralement, d'abord une langue de rouge. En réalité, on parle d'une. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle dans la. Lashon, tout ce qui est étroit et long, c'est fréquent. Ce qui est étroit et long, ça s'appelle en général. On appelle ça un lachon. C'est. Bon. Concrètement, on parle de laine qui a été peignée, de laine un peu à l'état brut qu'on a commencé maintenant à peigner et à préparer. Et on l'a teint. Donc ça s'appelle un lachon chez le zéhorite. D'accord? De la laine rouge, zéhorite, qu'elle est rouge. Zéhorite, il rapporte le Tivret Israël. Tivret Israël, c'est quoi exactement comme couleur? Ça va être rapporté dans le Pasuk Yaminu Khatarechem Kashanim. C'est du cramoisi, en yiddish, il nous dit, Tsemer Sarouk, de la laine peignée, qui est peignée, qui fait une forme de langue, Vetsavua, Karmazin. Karmazin, c'est du cramoisi, d'accord? Donc en fait, elle est rouge, et donc la Mishnah m'enseigne. D'où je sais que j'attache cette laine rouge, Berosh Saïra Meshtaleach, à la tête du. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus le dire en français, ça va me revenir, c'est pas grave. Il y avait deux béliers, pas béliers, deux boucs, le bouc émissaire, voilà. Le bouc émissaire,
Dans la Avodat Yom Kippour, pour finir l'expiation de Bnei Israël, il y avait tout un rituel au Beth Amikdash. Après, il fallait prendre un bouc et l'amener loin dans le désert et le jeter d'une falaise et puis dégringoler, il se décomposait. Et comme ça, les fautes du Ham Israël elles étaient expiées. Avant de le jeter, alors on prenait une langue, donc on lui prenait un morceau de, deux morceaux de laine, la moitié on l'accrochait sur sa corne, l'autre moitié on l'accrochait sur un rocher qui était là-bas, et lorsqu'on poussait le Saïr à Mishtaleach, le bouc émissaire, eh bien pendant qu'il dégringolait, d'un coup, le morceau de laine rouge qui était resté sur le rocher, eh bien devenait blanc. D'accord, c'est un miracle qu'il y avait, et la Mishnah me dit, « Minayin shekoshen lashon shelezer » D'où je sais qu'il faut attacher un morceau de laine rouge, « Berosh Saïr Amishtaleach » à la tête du bouc émissaire. « Saïr Amishtaleach » littéralement, le Saïr, c'est le bouc, « Amishtaleach » que l'on envoie. Alors, « Sheneemar » comme dit le Pasuk, « Emiou chataychem kashanim » Si vos fautes seront rouges, cramoisies, c'est un rouge très violent, comme les roses rouges, à peu près, eh bien, Kachel et Gavinou, eh bien, elles le blanchiront comme de la neige. D'accord? Et donc, il y a ici le remèze, l'allusion dans la Torah, qu'il faut accrocher cette laine pour voir cette laine rouge devenir blanche. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.